la glissade. Coucou, bonjour, c'est Prince. Je suis aujourd'hui avec un invité surprise. Il est là, il est bien entendu ici, viens. Ça va? Qui vous êtes? Tu peux pas le dire. Après l'intro, tu le dis? Ok. Balance l'intro! Mais moi, je sais même pas c'est qui que j'ai invité. Salut, c'est Dylan Del Rey. J'espère que vous allez tous très bien. Ah, quand on m'avait dit que c'était Squeezie, normalement. Ah, et moi, je devais être chez Gad Elmaleh à la base. Ah. Mais c'est Dylan Del Rey. Oui. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Kader, je t'ai concocté une petite surprise. Oh. Tu es fraîchement célibataire et de retour sur le marché des affaires avec les femmes. C'est sur le mercato. Voilà, t'es sur le mercato. Et bah, je t'ai préparé des phases de poule de Ligue des Champions et des phases finales, effectivement, aussi. Et je t'ai préparé une Ligue des Champions de youtubeuses. Mais c'est pas ça la vidéo qu'on devait faire de base. J'ai changé, c'est pas grave, je prends les rênes de Prince Kader aujourd'hui. On doit te prendre en main et te trouver la femme de ta vie, ou la femme d'une nuit, ou même la femme que tu toucheras même pas avec un bâton. Et d'accord, ok, ça marche. Bah moi je suis chaud. Oh, je suis chaud de ouf. J'ai chaud de... Du calme, faudrait pas que ça parte en drama et que les féministes tombent dessus, Kader. Ça serait un peu dommage. Excusez-moi. La première candidate est Nadia Richard. Ouais, ok. Tu connais? Ouais, je connais. Que penses-tu de Nadia Richard? Elle est douce, jolie, magnifique, des petites taches de rousseur, j'aime bien ça, ça me dérange pas. C'est vrai? Ouais. On se croirait chez Jacques Martin. T'es venu avec ta famille? T'es venu avec ton père? Il est où dans la salle? Nadia Richard serait-elle pour toi la femme idéale pour une nuit, pour la vie, ou jamais de la vie même? Attention à ce que tu vas dire. Non, elle est douce, magnifique. Oui. Mais c'est pas mon style. Donc? Non, non. Non, Nadia, non? Non. Même pas un soir comme ça, dis. Non. La prochaine candidate, Kader, est Natou. Il y a pas longtemps, j'ai rêvé d'elle. T'en as fait même un tweet, je crois que tu l'as mis sur Twitter, ça. J'ai mis sur Twitter. C'était lourd. Mais qu'est-ce que racontait ce rêve? Pas de truc sale, vraiment. Non, sur la tête de ma mère, c'était juste un moment de complicité. Vous buvez un café? Ouais, on est magnifique. La question fatidique arrive, Kader. Natou, une nuit, la vie ou jamais de la vie? Toute une vie. Toute une vie? Ah ouais. Elle est douce, elle me fait marrer. Et en plus, je rêve d'elle. C'est un signe, quoi. Pour toi, c'est un signe. C'est un signe. Pour Natou, si jamais Nathalie, tu passes par là. Je l'appelle Nathalie, toi. Bah, c'est la. Non, pas la famille, je connais pas en fait. La prochaine candidate est une candidate d'exception, une des premières youtubeuses. Ok, vas-y, je suis chaud. C'est qui? Andy Raconte. Oh. Que penses-tu alors de la magnifique Andy Raconte? Elle est très très douce. Pose-moi les questions là, pose-moi la question. Ouais. Andy, toi, ce serait plus une nuit, la vie ou jamais de la vie? Est-ce que j'ai le droit de répondre deux fois la même réponse ou pas? T'es polygame ou pas? Ouais, j'aime beaucoup les femmes. Et alors tu as le droit de dire pour la vie à plusieurs femmes. Pour la vie, je sais pas, j'ai pas trop regardé ces vidéos, mais j'ai regardé quelques vidéos. Ce qui ressort, c'est la qualité de ses vidéos et elle est douce. Ça pourrait être une fille avec laquelle tu pourrais envisager. Ouais. Elle fait 1m combien? Je crois qu'elle est grande, hein. Je l'ai vue 2-3 fois. Je crois qu'elle est assez grande en taille. Chaud. Un peu plus grande que toi. Non, alors non, alors non. Du coup, même pas pour une nuit? Pour une nuit, ça se tente. Tu le fais? Allez, pour la nuit, Andy! Mon petit prince, oui, la prochaine candidate serait le Real Madrid si on était en Ligue des Champions. Ah, Emi LTR. Alors je connais pas du tout. C'est vrai? Ouais, mais je vois sa photo. Elle aussi, mashallah, elle est vachement douce, hein. Elle est très très belle, Emi. Elle est très très belle, Emi. Elle est célibataire? J'en sais rien. Ouais, je prends aussi, ouais, c'est pas mal. Si elle veut de moi, d'un commun accord. Emi, accord commun. Direct avec toi, si tu veux, Ah, sans même lui avoir dit un mot, tu veux déjà dormir avec elle? Ouais, mais t'as pas le temps en fait, Kader, là. Toi, t'es direct, tu passes une nuit avec sans même lui avoir parlé. On peut dire que je suis un peu le Kylian Mbappé du sexe. Non, La prochaine candidate, mon Kader, est surnommée Miss Drama. Pourquoi? Ah, mais sur Twitter, elle se fait lyncher pour des bails de racisme, des sites de dropshipping, plein de trucs pas bien, pas clean. Non, alors non, rien. Je veux pas de drama, moi, je veux pas de... Non. Toi, il te faut une fille qui ne pose aucun problème, quoi. Exactement, une meuf pure. Donc les youtubeuses qui vendent des montres à 300 balles alors qu'elles en valent 4 sur AliExpress, c'est next. Next. La prochaine candidate, Kader... Je suis là. T'as cru que je... Ouais, la prochaine candidate. Non, c'est parce qu'en fait, ça fait rigoler. Genre là-bas. T'as un petit comique. Tu regardes les Simpsons le soir, quoi. Non. Tu fais des blagues, quoi. Non. Je regarde H. T'es bien aussi, H. La prochaine candidate n'est autre que Shera Kerensky. Ouais, wouh. Shera, c'est une rebeu.
Je crois qu'elle est russe et algérienne, je crois qu'elle elle est... C'est mélange, mon pote. Algéro-russe, okay. Russo-algérienne. Ok. La photo, elle est comme ça encore, Chira? C'est mon avis personnel, Kader. Mmh. Je la trouve 100 fois mieux sur cette photo qu'en vrai. Oh le bâtard. C'est mon avis, c'est le mien. Oh le bâtard. Elle est très photogénique. Tu dis ça parce que t'es en couple? Oui, je suis en couple. Tu dis oui. Ça, il dit ça, bah oui, mais on regarde pas les mêmes meufs quand on est en couple, c'est vrai. Ouais, c'est moi, je regarde pas de meufs quand je suis en couple, je regarde que la mienne. Je t'aime, mon amour, si tu passes par là. Ouais, là, c'est un canard. Ah, mais on avait dit que tu faisais pas le canard. J'ai le droit. La prochaine candidate n'est autre que la fameuse, que dis-je, la célèbre Julia Gameuse. Oui, elle est majeure, je te promets qu'elle est majeure. On s'en bat les couilles, moi je m'en bats les couilles. Sur cette photo là, elle est douce de ouf. Fuel la fouelle, là c'est bien armé en kérosène à mon avis. Donc personnellement... Dis-moi tout, Kader, pour la nuit, pour la vie ou jamais de la vie? C'est dur. Pour la nuit, wesh. T'es ma comment prendre des photos ce matin de la nuit là? Ah, de la nuit, la nuit. C'est pour la nuit. Les charros, parce qu'on va les appeler les charros. Parce qu'il y a des charros dans ta communauté? Ouais, il doit en avoir quand même. Il y a des gens qu'on finde. Les charros, donnez un top 3 de vos youtubeuses que vous kiffez le plus. Voilà. Pour une nuit, telle youtubeuse, pour la vie, telle youtubeuse, et tu ne touches pas avec un bâton, telle youtubeuse. T'es bon quand même. La candidate suivante n'est autre que Sananas. C'est une très jolie femme. Ah ouais, d'ouf! Ah ouais, d'ouf! La gueule! Ah ouais, la gueule! Ah ouais, les yeux! Wouh! J'ai non, pris... Sananas, je la marie direct, hein. Et toi? Non, parce que depuis tout à l'heure, ça m'a... Oui, je suis en couple, je suis pas nanier, dada. Ah bah oui, mais justement, je suis en couple. Alors, j'ai pas besoin de... Vas-y, dis, mouille-toi. Ok, pour la nuit, Sananas. Voilà, merci. Reviens. Je rappelle que chérie, si tu vois cette vidéo, c'est dans le cadre du travail. C'est professionnel. C'est toi que j'aime, chérie. Je te jure, je te tromperai jamais avec une youtubeuse. Il dort avec toi, mais il rêve d'une autre. Mais c'est pas vrai. La seule femme à laquelle je pense, à part ma copine, c'est ma mère. Et ça, c'est être un homme. Mais je rigole, oh, ça va, c'est bon, ça m'arrive de penser à des meufs aussi. Bah oui, c'est normal. Ah, quand même. La candidate suivante, et là tu pourras en vouloir à ton équipe technique parce que c'est pas moi qui est derrière ce complot. C'est quoi? C'est qui? C'est Bilal Hassani, mec. Il est belle. La prochaine candidate est la fameuse Solange te parle. Je connais pas. Ça va? Bon là. Eh bah heureusement. Ah bon? Bah après c'est à titre personnel, moi elle me fait peur cette meuf. Pourquoi? Je sais pas, quand elle parle, son regard vide et tout, me fait super flipper. J'ai l'impression qu'elle va se mettre à... Tu peux montrer une vidéo? Ok. J'entends tout en fait. Et elle teste les services d'un escort boy. Prince, Solange te parle, pour la vie. Solange, elle ne parle pas. Même pas avec un arbre, même pas avec un bâton, même pas avec un buisson. Ça va pas nous? La prochaine youtubeuse en lice et qui pourrait être la femme de ta vie, Kader, n'est autre que la belle Auria. Auria, c'est une rebeu, je pense. C'est une très belle femme. C'est vrai, elle est jolie. Hein. Très elle est belle femme. Comme tout. La nuit, la vie ou jamais? Non. Malgré le fait qu'elle soit si belle et tout? Non. Ok. Et toi? Je la tue. La prochaine youtubeuse, mon petit Kader, est la youtubeuse fitness Juju Fitcats. C'est qui? C'est la copine de Thibaut InShape, il me semble. Ah! Donc si tu la soulèves, c'est Thibaut qui te soulève derrière. Ok, bah écoute, je préfère qu'elle reste avec... C'est énorme et sec. Énorme et sec. La prochaine candidate, mon petit Kader, elle est douce de ouf. N'est autre que la youtubeuse fitness, encore une fois, Sissi Mua. As-tu déjà entendu parler de Sissi Mua? Non. Non, mais la princesse Sissi, je la connais. Par contre, Sissi, les culottes, non, je connais pas. Donc, Petite tenue très légère sur cette photo. C'est vrai, quand même, elle a plus d'abdominaux que moi, que toi. Ouais, alors là, beaucoup de personnes. Je la marie, hein, direct. Je la marie, je la présente à mon daron, à ma daronne, à ma tante, à ma grand-mère. Je la ramène là. C'est ma meuf. Moi, demande des abdominaux à mon daron. C'est bien, Kader, tu danses bien. C'est mais vrai. Kader, là, tout de suite, ouais, on est dans le flou. Je t'ai montré plein de filles youtubeuses qui sont plus magnifiques les unes que les autres. Qu'est-ce que tu recherches vraiment? Les meufs que moi j'aime bien. Ouais. C'est des meufs un peu chargées. Bien. Genre bien un vrai boule. Ouais. Des formes, quoi. Ouais, j'aime bien les meufs comme ça un peu. Y a Gloria, par exemple. Tu pourrais être Gloria. Elle est super belle. Plus elle grandit, plus elle est belle. Pas intéressé? Non? La nuit, la vie, rien? Ah, tant pis, alors candidate suivante. Kader. Oh Kader, oui, comme c'est tu vrai. Es quelqu'un de difficile. Youtubeuse beauté, Sahabi. Je t'ai réservé. Youtubeuse éclatée, Sahabi. Youtubeuse pété, Sahabi. Elle s'appelle Marie. Enjoy Phoenix. Oui. Elle est très jolie. Elle est c'est super belle. Très jolie fille. Ouais, je la marie, hein. Et bah, je crois qu'on conclut bien ce classement.
quel est ton top 3? Premier Natou, deuxième Natou, troisième Natou. Allez, mais ça fait plaisir, t'es bien dans ma vidéo. Tiens Natou, elle me follow. Je m'occupe du reste. Bon, bonsoir Nathalie, si jamais tu passes par là, eh bien sache que le Kader, il t'aime beaucoup bien. Il te trouve joli et il n'est absolument pas en chien sur toi. Non, non. Kader, arrête s'il te plaît. Kader, fais pas ça. J'en peux plus de votre pote. À la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, salut.